Pour le pitch suivant, nous allons évoquer l'utilisation d'une ressource naturelle du sous-sol avec la géothermie. Je vais passer la parole à Noé Imperadori, représentant de l'Association française des professionnels de la géothermie. À vous, Noé. Bonjour à tous. Je vais essayer de vous présenter ici une innovation dans le monde de la géothermie et du réseau de chaleur, puisque c'est la boucle d'eau tempérée à énergie géothermique, la BTEG. Avant cela, je vais me présenter. Donc, je suis Noé Imperadori. Je suis animateur de la filière géothermie en Grand Est depuis début 2020, portée par une structure qui s'appelle l'association Lorraine Énergie Renouvelable. Et donc, la mission d'animation de la filière géothermie se décompose en trois objectifs principaux. Le premier objectif, c'est la sensibilisation à la géothermie, donc du territoire du Grand Est. L'objectif, bien, est de faire découvrir la géothermie et les intérêts que présente cette énergie renouvelable afin de faire émerger de nouveaux projets sur le territoire. Le deuxième objectif, c'est la dynamisation du réseau des professionnels. Alors, la dynamisation et la mise en réseau des professionnels de la filière géothermique sur le territoire du Grand Est. C'est vraiment un pôle très important sur la mission afin de faire en sorte qu'une certaine émulation soit présente sur le territoire pour faire ressortir pas mal de projets. Et la troisième mission principale, c'est d'être un centre de ressources sur le territoire. Quand des questions sont posées, je suis censé pouvoir répondre à ces questions de manière technique, administrative, réglementaire, financière. Voilà. Donc, pour les missions de la mission, il faut savoir que les cibles de la mission sont les collectivités, le secteur de l'habitat collectif, le secteur tertiaire, le secteur industriel, donc pas le secteur résidentiel. Donc la structure porteuse, comme je vous le disais juste avant, c'est l'association Lorraine Énergie Renouvelable, qui est une association qui développe les énergies renouvelables depuis près de plus de 15 ans maintenant sur le territoire. Et les financeurs de la mission sont l'ADEME, la région Grand Est, l'Association française des professionnels de la géothermie et la société Arvern Géothermale. Voilà. Maintenant, pour en revenir au sujet abordé aujourd'hui, donc la boucle d'eau tempérée à énergie géothermique, dite aussi BTEG, peut être assimilée à un réseau de chaleur. En fait, la BTEG, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une technologie qui est émergente, qui s'est développée ces dernières années en France dans le but d'atteindre des objectifs fixés par la loi de transition énergétique notamment. La BTEG constitue un réseau d'énergie thermique exploitant la ressource de la géothermie de surface. Donc, on entend géothermie de surface, la ressource présente jusqu'à 200 mètres de profondeur, de 0 à 200 mètres de profondeur. Ce nouveau système permet de valoriser donc la géothermie, bien sûr, mais également de valoriser d'autres sources d'énergie renouvelable thermique et de récupération. Les deux principaux facteurs qui différencient la boucle d'eau tempérée à énergie géothermique d'un réseau de chaleur classique, ça va être le premier, la température de distribution de l'eau qui circule dans ce circuit, puisque contrairement à un réseau de chaleur, on a ici une eau qui est tempérée, comme son nom l'indique, comprise entre 5 et 30 degrés. Ce qui va permettre à la fois de répondre facilement à de multiples besoins, et d'avoir une approche différente des pertes énergétiques d'un réseau de chaleur classique qui vont pouvoir se transformer ici plutôt en gains énergétiques, puisqu'on a des températures plutôt basses. Le deuxième point qui différencie complètement la BTEG d'un réseau de chaleur classique, ça va être la production décentralisée de chaleur, de froid, des besoins qu'on va avoir dans les différents bâtiments. En effet, sur un réseau de chaleur classique, on va avoir une production centralisée, un point qui va chauffer l'eau qu'on va faire circuler dans le réseau. Puis après, grâce à des échangeurs dans les émetteurs. Ici, avec la BTEG, on va faire circuler cette eau à basse température qui aura été puisée ou prélevée les calories dans le sous-sol pour ensuite alimenter des sous-stations qui vont permettre d'apporter, de répondre aux besoins des différents bâtiments, en tout cas des différents usagers de la boucle d'eau tempérée à énergie géothermique. Alors pour bien comprendre ça, il faut savoir comment se compose une boucle d'eau tempérée à énergie géothermique.
Donc, elle est composée de quatre éléments. Elle va être composée, comme je viens de vous l'expliquer, d'un ou plusieurs dispositifs de captage de la ressource géothermique. Je vais y revenir juste après. Elle est composée également d'un dispositif de mutualisation de la ressource, donc la boucle d'eau, en fait, ce qui est le réseau du réseau de chaleur. Elle est composée également de dispositifs de production. Donc, dans ces sous-stations dont je viens de vous parler, on a ces dispositifs de production qui sont des pompes à chaleur géothermiques, ni plus ni moins, ou des thermofrigopompes si on a des besoins de chaud et de froid en simultané. Et pour finir, bien sûr, pour gérer tout ça correctement, un dispositif de régulation. Voilà. La BTEG peut être développée à partir de nombreux dispositifs de captage géothermique. Donc, la ressource, en fait, la calorie, elle va être prélevée dans le sous-sol de différentes manières. On va avoir, grâce à des forages sur nappe d'eau souterrain, sur sonde géothermique verticale, sur collecteurs d'eau usée, par exemple, sur des fondations thermoactives, sur de l'eau de mer, etc., etc. Donc, il y a différentes techniques pour capter les calories, ce qui facilite également l'implantation des boucles d'eau tempérées à énergie géothermique. Alors, la BTEG, le gros intérêt comparé à un réseau de chaleur plus classique, c'est qu'on va pouvoir répondre à différents besoins. On ne va pas pouvoir répondre uniquement au chauffage, bien que bien sûr elle puisse répondre à ce besoin-là. On peut répondre également à des besoins d'eau chaude sanitaire, de froid passif par géocooling, donc de rafraîchissement plutôt que de froid, donc du froid quasiment gratuit, du froid actif également. Si on a des besoins de froid plus importants, elle permet également d'assouvir les besoins de froid actif. Ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir répondre à ces besoins de froid avec cette boucle d'eau tempérée à énergie géothermique, contrairement à un réseau de chaleur plus classique qui, lui, n'est pas fait pour répondre à ces besoins-là. Alors, un point d'attention sur la boucle d'eau tempérée à énergie géothermique, ça va être le monitoring imposé à ce réseau de chaleur basse température, puisque, comme je vous l'ai présenté juste avant, on a ici un système de production décentralisé. Donc, il va falloir gérer toutes ces productions-là qui sont pas uniquement de la production de chaud, mais qui peuvent être multiples, production de chaud, production de froid, production des deux en même temps. Donc, on va avoir un système de monitoring, une régulation sur un système de ce genre qui va être très importante et qui nous fait passer cette boucle d'eau tempérée à énergie géothermique dans les smart grids, les réseaux intelligents, en gros. Alors, maintenant, un point qui est important, pourquoi envisager la boucle d'eau tempérée à énergie géothermique? Alors, elle a de nombreux avantages que je viens déjà de vous présenter, mais pour résumer, passer par la BTEG, c'est de l'exemplarité environnementale. En effet, la géothermie, une énergie renouvelable, et elle peut également se coupler à d'autres énergies renouvelables. La promotion des ressources locales, puisqu'on puise directement les ressources dans son sous-sol. Une facture énergétique maîtrisée, avec des coûts qui n'évolueront pas énormément dans le temps, contrairement à un réseau de chaleur, par exemple gaz. Sa capacité à mutualiser l'énergie, effectivement, on fait de la mutualisation avec une boucle d'eau tempérée à énergie géothermique. Son évolutivité et sa modularité, puisque l'intérêt de la boucle d'eau tempérée, c'est que on l'implante sur un secteur et on peut l'étendre au fur et à mesure de l'évolution du secteur et la moduler en fonction des différents besoins. Et pour finir, elle est intégratrice d'énergie renouvelable et de récupération, puisqu'on peut coupler l'énergie géothermique à d'autres styles d'énergie renouvelable, du solaire thermique, on peut coupler à de la récupération de chaleur fatale, à de la biomasse, s'il y a de la biomasse déjà existante sur site. Voilà donc la petite présentation de la boucle d'eau tempérée à énergie géothermique. N'hésitez pas à revenir vers moi si ce sujet vous intéresse.